un petit peu en bas. Il va falloir s'intéresser maintenant à un aval des Mawish. Attention parce que le globe de cristal se joue peut-être dès ce saut. Et un petit peu devant, 200 mètres. Le problème, faut y aller à 200. Allez, Sven. Allez, la vitesse est bien. Il se bat bien, Sven à Naval. Il se bat bien. Et oui, on parlait Automaiki à Naval, Mawish. Ils vont passer dans des conditions dures. Les trois meilleurs sauteurs du moment vont s'en sortir. Ouais. 208 mètres pour le cannibal. L'homme qui déchaîne les passions sur Eurosport.fr. Oh, il n'y a pas que là. Hein. Mais qui est toujours célibataire, Nicolas. Ça, c'est l'énigme. Hein. Beaucoup de rumeurs, mais c'est vrai que... Je vais nous présenter la copine officiellement à Willingen. On l'a pas jamais vue. Donc ça reste ouvert, mesdames. Mesdemoiselles, n'hésitez pas. Sven Naval, 208 mètres, la deuxième meilleure performance jusqu'à maintenant. Juste derrière Mattia Automaiki. Et maintenant, c'est au tour du magicien, Adam Mawish. Et Mawish. Ouais, ben Mawish, il a plutôt des bonnes conditions. Mawish, pas mal. Imbattable hein, depuis les championnats du monde. Allez. Oh là là, il est haut. Oh, il est très très haut. Aïe. Sur une autre planète, Patrice. Sur une autre planète, le Polonais. C'est insautable et il va exploser presque au record du monde. 224,50 m pour Adam Mawish. Il a réglé la mire, Nicolas. 225 deux fois. Une fois 224,5 m. Incroyable, Adam Mawish. On sait aussi qu'il a un petit peu de réussite avec lui, hein, car le vent est revenu à la fin, là. Mais quand même, il est fort. 98 km/h, 224,50 m. Ah, il y a des écarts, hein. Parce que le troisième, il y a eu que trois hommes à plus de 200 mètres. Mawish, Automaiki, Anavald. Et là, ça va commencer à se compliquer hein, pour Anavald pour gagner le globe de cristal. Vous revoyez au ralenti les 224,50 m. Et Paul Steiner qui se dit que le globe de cristal n'est plus qu'à un saut du Polonais. Un troisième globe de cristal d'affilée, ce qui serait du jamais vu. On n'arrête pas hein, de faire du jamais vu, Nicolas, ici, entre les 227,50 m, les 232,50 m. Peut-être un troisième globe de cristal d'affilée. Des conditions aérologique difficile et Mawish qui se pose à 224,50 m devant Mattia Automaiki, 214 m, Sven Naval 208 m. Le triptyque annoncé est bientôt au rendez-vous avec une bonne surprise côté français, Nicolas, puisque des sommes et 9e.